Avec toi, Mika, aussi beaucoup d'actualités. On va commencer par le hand, là, le sacre des handballeurs cette semaine. Ouais, cocorico, parce que si nos footballeurs l'année dernière ont échoué en finale et les rugbyman n'arrivent toujours pas, ça cale toujours en demi-finale. En tout cas, bah, l'équipe de France de handball continue de gagner. Il y a eu les JO en 2021. Et là, c'est le titre de champion d'Europe. Ça faisait 10 ans que l'équipe de France attendait ce moment. Donc, au terme d'une finale épique, c'était contre les Danois. Les Français étaient menés pendant tout le temps réglementaire. Ils ont égalisé encore une fois sur le fil et puis pour s'imposer dans la prolongation. Donc, une belle victoire. Quatrième titre continental pour l'équipe de France. Et puis, Daniel Narcisse, qui n'est plus le seul réunionnais à avoir gagné cette. 7 euros, puisqu'il a été rejoint par Melvin Richardson et notre ami Benoît Koumkoud. Avec un petit sourire en coin, puisqu'effectivement, Koumkoud s'est fait, ouais, qui est dans une belle polémique, là en tout cas. Il a été placé en garde à vue, je crois, pour tentative de viol, c'est ça, Mika? Oui, c'est ça. Donc, il a été accusé de tentative de viol par une femme de 20 ans. C'était dans la nuit de lundi à mardi. C'était juste après la réception à l'Élysée, en présence du président Emmanuel Macron. Donc, les faits se sont déroulés dans une boîte de nuit, une soirée alcoolisée. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Benoît Koumkoud est ressorti libre de sa garde vue le lendemain. Donc voilà, l'enquête se poursuit. Donc on attend, on verra les différents témoignages et puis on verra ce qui se passe.